Hey. Vous vous rendez pas compte comme les enfants sont impatients de vous rencontrer? Et on va être très sympa, je promets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. J'y arrive pas. L'habitude de recevoir des humains, enfin du moins pas comme ça. Voilà, c'est la cuisine, on prépare des plats, c'est une cuisine tout à fait traditionnelle. Rien d'extraordinaire, mais suivez-moi, on va passer au salon. Le frigo. La viande, qui s'occupe un peu de toutes les choses administratives qui nous dépassent dans ce monde d'aujourd'hui. Et Ronald, le clown qui est l'ancien propriétaire de la maison. Toujours avec nous. C'est quoi, c'est la livraison? Samson. C'est l'équipe de reportage, calme-toi. Qu'est-ce que coûte, Bertha? Samson, mon fils. Bertha, ma femme. Tournez, vous amusez. Et Grace, ma charmante jeune fille. J'arrête pas de me limer les dents et ça repousse. Tout le temps. Grace, on est des vampires. Vous êtes humain? Nos voisins qui vivent à la cave. Voilà. Il y a deux choses que j'aimerais vous dire. La prochaine fois que vous viendrez ici, j'aimerais que vous évitiez de vous parfumer. L'odeur nous insupporte. Et évitez de vous blesser pour Samson, qui est très agressif en ce moment. Grace, j'ai deux mots à dire. Monte. Allez. Installez-vous. Je m'appelle Georges Saint-Germain. J'ai une femme extraordinaire qui s'appelle Bertha et deux enfants. Samson, qui est encore plus sensible que moi et qui est une boule de nerfs extraordinaire, et Grace. Grace qui voudrait vous imiter. Elle est embêtée, là. Tu peux le remettre, Sarah. Remets-le. Oui, ça va. Non. Allez, c'est, on peut pas continuer ici. C'est Sarah. Sarah. Mais il faut, on peut vraiment pas continuer. On peut pas continuer comme ça. C'est pas bien. C'est qui la fille qui est derrière vous? Vous pouvez nous en parler, la... celle que vous appelez la viande, là? Ouais, la viande. Je t'explique. La viande dans le frigo, c'est magnifique. On la donne à manger. Bien! Carbonade. Oh, elle mange des carbonades. Après, on la sort du frigo. Vincent, c'est délicieux. Et alors, à des fêtes spéciales, on la sort et... Sans chaud tous les soirs. Petit déjeuner.
que vous faisiez avant? Je fais la prostitution. Je suis pas vraiment des paysagers, en fait. Toutes les familles, ils ont leur fiancée. Toutes les familles ont une personne comme vous, oui, qu'ils mangent, oui, en partie. Et quoi, vous avez spécialement bon goût? Il paraît, oui. C'est vraiment une viande de luxe. Hein. Bonjour, madame Bertha. Sanson. Qu'est-ce que t'es en train de foutre avec ce truc? Bah, je me bronze. Et là, ma mèche, là, ça va ou pas? Non. Quel connard. La lumière, bordel! Dans la chambre où toute ma famille et moi-même dormons. Alors, ma relation avec mes parents est assez mauvaise en ce moment. Je pense vraiment que ma maman me déteste. Je sais pas pourquoi, mais elle m'aime vraiment pas. Bertha et moi ne sommes pas des gens très autoritaires. D'ailleurs, ça ne me dérange pas du tout qu'elle s'habille en rose. Je trouve ça amusant. Ouais. Elle est la quintion. Oh, elle est la quintion. Et elle porte du rose. C'est une crise adolescente. Ça passera. Elle veut devenir humaine. Tu veux pas me détacher plutôt que de me regarder là? C'est franchement désagréable. Sanson. Sanson. Quel connard. Bon. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... je pense que j'aimerais bien mourir. Mais comme vous, on se fait vraiment chier, quoi. Y a rien, on n'a pas de limite, et vous faites plein de choses, vous les humains, parce qu'il y a la mort au bout. C'est, je veux dire, c'est mortellement chiant comme vie. Entrez. Merci. Attention, l'escalier est raide. Bienvenue. Voilà mon époux. Bienvenue. Alors, je m'appelle Elisabeth Nabowski. Je suis née en 1860 et j'ai été vampirisée en 1885 à Lyon par le comte Józef Nabowski, mon père. J'étais un modeste infirmier dans un laboratoire à Lyon. Je m'occupais
de livrer les transfusions sanguines à Louis Pasteur pour les analyses. Et c'est ici que j'ai rencontré ma femme et mère, Elisabeth. Nous habitons ici depuis plusieurs années maintenant. Et bon, nous entreposons un petit peu, tant bien que mal, les objets que nous gardons de nos victimes. Parce que nous sommes très sentimentaux. Hein. N'est-ce pas, bienvenue? Voilà. Donc ça, c'est justement le petit souvenir du premier bébé aussi. Mon premier bébé, ma première victime. Petite bavette. Mignon comme tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ma première vierge. La nuit de ses noces. Moi, je viens donc de la famille Nabovski, qui est une grande lignée de vampires hongroises, comme on n'en fait plus. C'est une famille qui est réputée pour choisir ses victimes très précautionneusement, selon leur carnation, l'élasticité de la peau. Et moi, c'est vrai que j'ai appris la morsure dans la tradition la plus pure. Petite molaire gardée en souvenir. Ça, c'était... Bon souvenir, tout ça. Bon, on aimerait bien garder plus d'objets, hein. On aimerait bien garder plus d'objets, mais... Oui, on est un petit peu à l'étroit. On entasse, on aimerait bien un peu plus de place. Hein. Respectueux nos voisins, ce sont des gens... Pas de soucis, mais c'est eux qui ne me respectent pas. Hein? Donc, ça fait des années qu'on est en bas. Hein? Et il serait temps qu'on passe un petit peu en haut. Parce que là-haut, alors là, je sais pas si vous avez vu, mais... C'est terrible ce qui se passe là-haut. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Et nous qui respectons un petit peu les choses, on est en bas, enfermés. Comme des sauvages. Et tu trouves ça normal, Elisabeth, qu'on dorme comme ça? Hein? Qu'on dorme là-dedans? Tu trouves ça normal? Hein? Regardez un peu. Voilà. Alors voilà. Voilà. On est réduit. Voilà. Voilà. Hein? On dort bien debout, peut-être? Hein? Vous dormez bien, vous? Ben dis-le, Elisabeth, que tu dors bien! Oui, ça devient difficile. Oui, ça devient très difficile. Trop petit. Georges, qu'est-ce que vous attendez là? Ben, j'attends la livraison, elle est bientôt 10 heures avant d'arriver. Restez là discrètement, vous allez voir. Vous allez voir les droits de l'homme. Ah ben les voilà. Bonsoir. Bonne nuit. Voilà, je vous ai apporté votre boudin. Mm-hmm. Au niveau des sans-papiers, c'est toujours des noirs pour le moment? Bah oui, c'est toujours des noirs, puis je voulais qu'on... Tu n'as fait qu'à voir, puis au coup. Tu n'as pas qu'à coucou, ça dit. Vous comprenez ce qu'il dit? Bien sûr, évidemment. Bon, ben merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vas-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Là, il commence à bien ça, non? Bien. Allez, va. Restez là. Oumu, où t'as quoi ça fait? Spécial, hein? Mais bien... C'est un pays de cocagne, tout est possible ici. La mafia, le terrorisme. On nous livre des sans-papiers. Ouais, et puis...
On les met dans le kot, hein, en haut. Het mensenkot. Et t'as vu, mensenkot? Hé, het mensenkot boven? Bien, on peut mettre beaucoup dedans, beaucoup de viande dans le mensenkot. David, regarde par là. Non, de l'autre côté, de l'autre côté. Ouais. Putain, oh, putain. On se casse. Tu nous dis quoi? Attends, quoi? Pardon, vraiment. Si on n'a rien à foutre ici. Les vampires, les humains, sont des animaux légèrement sophistiqués. Vous savez que nous avons une fonction sociale en Belgique. Des gens nous encouragent à faire office de nettoyeur de population non désirable. La police, c'est la police qui apporte la boue. Ça, c'est bien, ça. Là, c'est une mouvance noire du Mali, pour le moment. Tous des jeunes, entre 20 et 30 ans. Excellent. On peut choisir. Il y a du noir, il y a des petits. On a deux petits maintenant. Je ne tomberai pas dans le piège de vous dire qui. Je vous dirai oui, tous les lundis, il y a quelqu'un qui récupère les cadavres qui traînent chez nous. Tout en Belgique. Alors, les vampires en Belgique sont des vampires contents. C'est extraordinaire, la Belgique. Un pays si plat, avec des gens si gris. C'est une chanson, ça. On écoute de la musique, vous savez, chez nous. En ze kochten een ponsavieren. En als ze dat boterke hadden gekocht, zij hadden er veel platelen. Ze stroken dat vragen, ze vriendelijk al, ze vragen en willen ons delen. Schiet spoel, scherbeke spoelsel, djikke zakke karkolle klitslet. Ze vragen en willen ons delen. Dat vragen, dat zal ik wel doen, zo wil als ze vragen poleren. Want weet je wat er de wijvertjes zijn, en de wijvertjes zijn er geen heren. Schiet spoel, scherbeke spoelsel, djikke zakke karkolle klitslet. En de wijvertjes zijn er geen heren. Tikkie takkie kerkolle glitslet. En het kracht is al hoes gedragen. Mais ça va pas la tête. Il est 14h30. Comment vous êtes devenu vampire? Ah, pire. C'était en 1907, un vendredi. Ouais. Moi, j'étais triste. Hein. Et je saignais de mon nez. Ouais, parce que mon mari me battait. Ouais. Oh, c'est pas bien. Et Georges était là. Il demandait si je voulais être sa femme. Et j'ai dit oui. Et votre mari de l'époque, alors? Une fure. Paf! C'était beau, hein? Ça, c'était bien. On a brûlé dans le feu. Et Georges, et là, il m'a mordu. Hein? Tu vois, Vincent? Non, on voit pas bien. Tu peux venir plus près, si tu veux. Excellent. Bon, c'est pas trop tôt. Ta gueule. T'aimes bien ça, toi, hein? T'aimes bien, hein? Petit cochon, va. Qu'est-ce que t'as fait, là? Rien, je me suis suicidée tout à l'heure. Encore? Si tu veux que ça marche vraiment, il faut que t'ailles au soleil ou que tu manges un peu d'ail, hein? Ben non, parce que c'est pas une mort d'humain. T'es une pauvre conne, Grace. Pas te faire foutre. Hop. Petite bite. Poufiasse. Enculé. Ta caméra. Dans le lait. Mangeuse de sperme. Curé. Quoi? Curé! Tu m'as dit curé? Papa! Curé! Écrète, elle m'a dit curé! Oh. C'est pas allé.
Et c'est pas prévu par l'accord. Quand ils rentrent au petit matin, ils doivent fermer la porte. Ah, c'est toujours toi, hein? Toujours moi. Le concierge. Et après manger? Oui. Qui c'est qui débarrasse la table? Oui, c'est moi. C'est toujours toi. Je n'ose pas demander. C'est quand même pas compliqué de mettre des cadavres à l'extérieur. Il y a le service des cadavres qui passe. Ils sont même pas capables de faire ça. Mais ils ont pas l'esprit de propriétaire, c'est tout. C'est des parasites, c'est tout. C'est des parasites. Tu sais quoi? On est trop gentils. Non, tu es trop gentil. C'est trop gentil. Pour moi, mes voisins sont... Ils n'existent pas. Ils sont là. Ils déplacent un courant d'air lorsqu'ils passent. Et c'est tout. Ils m'ennuient. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, une victime qui passe par chez nous est une victime même. Vous plaisantez? C'est parfaitement ridicule. Non, 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 le code est très clair là-dessus. Il est chez nous, il est à nous. On l'a pourchassé toute la nuit, c'est pas pour vous le laisser maintenant, hein? Bah, fallait penser avant. Elisabeth, c'est dans le code, ils sont plaisantés dans le code. Très bien, Georges. D'accord, Georges. Mais alors, on le joue? On joue. On joue à quoi? On joue à l'une. On joue à l'une. Le code des vampires a été mis en œuvre par le comte de Dracula. Et qui sont, si vous voulez, des sortes de règles à respecter. Ce sont des règles très simples. Des règles de vie naturelles, je dirais. C'est parti. Deux. Trois. Soleil. Oh. Un, deux, trois, lune. C'est pas dire un, deux, trois, lune ou quoi? Allez, debout. Debout. Allez. Deux, trois, lune. Un, deux, trois, lune. Quoi? Il a bougé? Oui? C'est toi qui dis ça. Il a bougé ou il a pas bougé? Merde! Il a bougé. T'es sûr? Oui. Putain! Allez, go. Allez, un, deux, trois, lune. Mais c'est grillé. Non mais franchement, j'ai bougé. Il a bougé? Il a bougé. J'ai bougé ou quoi? Je crois, oui. Je comprends pas. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vos voisins vivent dans votre cave? Alors, chez les vampires, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de maison. Et donc, vous logez chez d'autres vampires qui, de manière très généreuse, vous offrent leur cave. Il faut donc avoir un enfant pour... s'installer dans une maison. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant car nous avons choisi de ne pas en avoir pour le moment. Nous ne voulons pas choisir d'enfant à la va-vite. Nous préférons prendre le temps de choisir un enfant de qualité. Un Abowski. La vérité, c'est qu'Elisabeth ne peut pas s'empêcher de dévorer les enfants. Quant à moi, quand elles sont plus âgées, je ne peux m'empêcher de leur faire l'amour. Mais elles ne veulent pas rester. Je crois que je le fais mal. À table! J'ai faim, moi. Où elles sont? Tu l'as préparé comment? Ravioli. Enfin! Grace! Ah. Ah bah sympa, même le jour de mon anniversaire, on me laisse la cheville. Ouah, t'es déjà en train de tirer la gueule? 500. Allez, bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu sais ce qu'on va faire après? Non. On va aller voir comment nous cercueille. Tout sans service in the gloria, in the gloria, in the gloria.
anniversaire, Grace. Merci. Allez, à toi l'honneur. Attends, c'est bon. Elle est où ma veine à moi alors? Il est en dessous. Ah, Bertha, c'est succulent. Tu cabres, oui. Non, c'est très bon. Moi, j'aime bien quand t'as un petit arrière-goût de, tu vois, de trucs pas digérés, là. Mmh. Il me semble que t'es tout pâle comme ça. C'est bien, c'est. Chez moi. Frappe là. On va pas la frapper si elle est pas bien. Ça suffit, oh voilà. C'est le cœur. Mais non, le cœur c'est là. Mais Vincent, qu'est-ce qu'elle a? Elle doit aller à l'hôpital. Hein? Elle va mourir. Bah quoi? Mais non, elle est forte, notre viande. Allez, on la remet au frigo. Hein? On va pas la mettre au frigo et si elle meurt? Bah on verra demain. Tu nous gâches notre dîner, la viande. Allez, viens, Sanson, avec moi. Allez, on y va, on sort en ville. Allez, viens, on y va. Ta femme est pas venue? Elle est restée à la maison avec la viande. On a un petit problème, mais ça va, ça va. Bonsoir. Allez-y, entrez, ravi. Jean-Paul. Et pour la surprise. Ça a marché? Ça va. Tout est en place. On a hâte de voir. Ça va te plaire, tu vas voir. Super, je suis sûre que ça va. Suivez. Allez. Ça pour la vieille, ça va? Dégage! Dégage! Je suis désolé. Je m'appelle Jean-Paul. Je dirige cette entreprise de fabrication de cercueils, entreprise familiale. J'ai la chance d'être un des rares vivants dans une grosse ambiance de décédés. Donc c'est une chance? Mais suite à l'arrivée des vampires, suite à leurs demandes de plus en plus précises, j'ai décidé de trouver un système pour récupérer les cercueils et finalement de brûler que les corps. Ça gêne pas grand monde, hein. Certainement pas l'intéressé. Et c'est ainsi que j'ai pu proposer aux vampires différents cercueils déjà utilisés, aux odeurs, aux senteurs particulières. Ils ont des demandes un peu précises, hein, un peu cocasses. On a eu quelques demandes sur des cercueils d'enfants, de jeunes filles, 13, 14 ans. Et puis d'autres vampires comme Georges, c'est plutôt les cercueils de centenaires, avec un peu plus de vécu. Ce sont des bons clients, les vampires? C'est quand même assez rare, des gens qui vous achètent plusieurs cercueils plusieurs fois dans leur vie. Et... Hein? On peut compte passer à côté de ça. Même si c'est pesant, parfois. Je vous le cache pas. Eva! Schönen guten Abend. Merci. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. On est venu avec l'équipe, comme Petit Cœur a demandé. Ah. Et voilà. Il manquait plus que vous, hein. Comment ça va? Ça va? Dites-moi, il y a vos voisins qui sont là, donc tranquille, parce que...
prendre. Le petit prince, il a organisé une belle soirée, là, vous allez voir. Bon, moi, j'y retourne, je m'éclate. Bonne nuit, bienvenue, Elisabeth. Encore un peu bébé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, ben, faites comme chez vous. À votre santé. C'est qui, petit cœur? Petit cœur, c'est le chef. Il n'est pas comme Georges, hein. Pas beau. Mais c'est le chef. Le chef. Et il a la corde. Il comprend. Petit cœur. Essayer de les manger. Oui. Mais ils sont toujours vivants. Sagen Sie mir nicht guten Abend. En fait, j'ai un petit problème avec mon cercueil. Bon, mais il y a ma femme qui gueule. Mon break est en panne, enfin. Il y a plein d'insectes. Oui. Et ils sont pleins de. Récemment, je fais des allergies aux humains. Mmh. Et à chaque fois que je m'approche d'eux, j'ai des plaques partout. J'ai le nez qui coule, je gonfle. C'est toujours un. Grand bonheur de venir à vos réceptions. Je suis tout émue, moi j'en saigne du nez. Bonsoir, petit cœur. Bonsoir. Bonsoir, là. C'est tout drôle. Samuel, comment va? Il faut s'organiser de manière à
renouveler en permanence les choses. Jean-Charles, ici présent. Nous nous sommes rencontrés sur le champ de bataille. Et nous sommes tombés... fou amoureux. Je vous demande de répéter après moi. Valaké. Valaké. Vlad. Vlad. Tepez. Tepez. Je tiens beaucoup à ce cours d'histoire. Je pense que dans une société comme la nôtre, on perd la culture. On perd l'idée du passé. Moi, je veux que chaque élèves connaissent son histoire sur le bout des ongles. Alors, parlez-nous un petit peu des problèmes que vous rencontrez à partager une école avec des mortels le jour. Oui, je vois de quoi vous parlez. Vous parlez de l'enfant, n'est-ce pas? Une bavure en 17 ans. Un garçon de 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a consommé dans un garçon de 8 ans? Il y a à consommer dans un enfant de 8 ans. Il n'y a pas de quoi faire un pataquès, non? Non. Ben non, mais moi, je vous ouvrirai encore plus la bouche pendant que vous y êtes. Et vous, là-bas, vous écoutez, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on va apprendre à mordre, hein? Allez-y. Je bascule la tête en arrière. Oui. J'incline de 15 degrés. Oui. 15 degrés. Oui. Et je mords la carotide extérieure. Non, pas avec la bouche comme ça. Non, ça ne va pas. Allez-y, recommencez. Je bascule la tête en arrière. Oui. J'incline de 15 degrés. 3, je mords la carotide extérieure. Extérieure. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes vraiment nul. Vous êtes déjà comme votre père. J'ai déjà eu votre père dans... Alors, non, ça ne va pas. Vous mettez debout son son et vous le faites debout et vous mordez. Vous avez déjà vu où est le carotide? Je vous ai déjà fait le schéma. Mais alors qu'on fasse une croix, je le vois, qu'on fasse une croix quelque part, que je... Ah oui, parce que quand vous allez trouver quelqu'un, vous avez d'abord demandé de mettre une croix avant que vous allez mordre. Mais comment est-ce possible? Mordez avec les dents. J'en ai assez maintenant. Il y a tout le monde qui attend, tout le monde qui regarde. Vous allez recommencer jusque quand vous allez bien le faire. Allez-y. Et où est-ce que vous mordez? La carotide extérieure. Bon, ben alors, vous trouvez là et faites-le. Elle est là. Allez-y. J'incline la tête en arrière, je penche de 15 degrés. Et 3, je mords la carotide extérieure. C'est pas comme ça! Steve, montrez-le lui! C'est pas possible!
Oui, je suis là, l'ami de la famille et en premier de Sanson, en fait. C'est mon pote. On se connaît bien, on fait des bêtises ensemble. Et voilà, quoi. Et ici, je suis toujours bien accueilli. À l'origine, je faisais partie d'un groupe qui, je pense que vous connaissez, les Doors. Hein. Et je jouais avec Jim, tout le monde, quoi. Et puis ce soir-là, c'était la folie. Et puis on a joué. Et après, on a fait la fête. Et là, je ne sais pas. Blackout, j'ai dû décéder ce soir-là. Et après, je ne sais pas expliquer comment, pourquoi ni quoi. Hein. Je me suis réveillé vampire à Cabriès. C'est à côté de Marseille, en fait, à côté du lac Bleu. Et c'est là que vous avez pris l'accent? Ben, je pense. Je n'avais jamais eu avant. J'étais américain. Sanson! Steve? Attends une seconde. Et viens vite. Regarde. Tu l'as trouvé où? Prête-moi. Il est haut. Devant. Oh, il est magnifique. Je l'ai trouvé devant l'hôpital. Il avait oublié ses corps. Alors je l'ai pris. Il est encore tout chaud. Oh là là. Il y en a plein là-dedans. Il a déjà mangé des trucs comme ça? Deux, trois fois, mais celui-là, il a l'air tout beau. Hé hey. C'est la première fois qu'on a la viande et le légume. Okay, moi, j'entame. Après vous, monsieur. Oh là, il est même pas crispé. Allez, c'est parti. Je te montre un truc. Mars. Aïe! Regarde. Aide-moi. Mets-le debout. Quand je te dis que tu lâches. Putain, il y a un truc impressionnant. D'après le code, vous avez tué un vampire. Vous comprenez ça? Vous êtes vraiment des petits cons. Je m'appelle Paul Absil et je suis directeur de l'école depuis une quinzaine d'années maintenant. Lorsque j'ai postulé pour l'emploi, je ne me doutais absolument pas, évidemment, que l'école était occupée la nuit par d'autres êtres. On me l'aurait dit d'ailleurs, je n'y aurais pas cru, j'aurais bien ri. Mais il m'arrive quand même fréquemment le matin de trouver des traces de leur libation nocturne. C'est déjà sec, évidemment. Une fois, lors d'une fête d'Halloween, un enfant a disparu. Mais bon, c'est le seul petit accro en 16 ans, donc c'est pas non plus... un enfant en 16 ans, c'est pas terrible. Hein. On va pas non plus en faire un... Voilà, un pataquès. Allez, à nous deux.
mais c'est pour ton bien. Vous faites ça tous les soirs? Bah oui, il faut bien, hein, sinon... Sinon plus de lapin le matin. Ils doivent avoir des appuis politiques assez puissants, parce que je... Ils vous font peur? Franchement, oui. Oui, bien sûr qu'ils me font peur. Ça, je vous le cache pas. C'est... Je ne suis pas à l'aise du tout. Bienvenue à l'émission Boulevard du Crime. Nous allons parler aujourd'hui de l'un des plus célèbres criminels de l'histoire, Jack l'Éventreur. Un personnage cocasse qui fait rire petits et grands vampires depuis 1888. Le professeur Nicolas nous accompagnera tout au long de cette nuit pour nous faire découvrir... Si, si, fougue, fougue, fougue! Faut me regarder à moi quand je te bats! Heureusement que vous êtes là. Vos parents sont des gens difficiles, mais il faut être courageuse. Vous êtes quelqu'un de formidable, Grace. Merci. Vos parents sont rétrogrades. Regardez, par exemple, Elisabeth et moi sommes un couple moderne. Donc c'est très vite dit tu. Tu vas bien? Ah oui, ça va. Toi? Vous voyez, Grace. Ici, il y aura toujours une place pour vous, Grace. T'es gentil. Parlez-moi de la sexualité des vampires. Bah ça... Alors, il n'y a aucun tabou, déjà. On couche tous entre nous. Les vampires sont des très très bons coups, il faut avouer. C'est-à-dire que nous n'avons pas vos tabous. Sanson adore faire l'amour avec Bertha. Donc avec sa mère. Vous comprenez, on n'a aucun cadre par rapport à ça, vu qu'on risque rien, ni de tomber enceinte, ni de choper le sida, ou rien. Donc c'est vrai que la sexualité est très très libre dans notre communauté. On ne peut pas toucher la femme du chef. La femme du chef est unique. Bonsoir, Georges. Bonne nuit, Eva. Est-ce que Sanson est là? S'il vous plaît, Eva, rentrez chez vous. Je ne veux pas que ma famille ait des problèmes. Bitte, ich muss mit ihm sprechen. Nur eine Sekunde, bitte, nur eine Sekunde. Eva, les femmes comme vous sont pires que la lumière. Rentrez chez vous. Bonne nuit. Georges! Bonne nuit. Ne la regardez pas, elle va partir toute seule. Ne la regardez pas, elle va partir toute seule. C'est Eva, je vais la rejoindre. Tu restes là, d'accord? Tiens, toi, je vais pas, si j'ai envie, je... Tu comprends ce que ça implique? Pour ta famille, ah voir Eva, tu le comprends, ah tu le comprends, ah. Alors monte dans ton cercueil, d'accord? Monte dans ton cercueil. Et réfléchis. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous angoisse, vous, les vampires? Qu'est-ce qui m'angoisse? Dites-vous particulièrement... Mais rien! Rien ne m'angoisse. Je ne vois pas les choses dans ces termes-là. Je pourrais être inquiété que Grace ne se remette pas de sa crise d'adolescence. Qu'elle devienne humaine. Vous savez pourquoi vous êtes stressé, vous, en tant qu'être humain? C'est parce que vous pensez que, à un certain moment, ça va s'arrêter. Mais vous ne savez pas quand. Alors vous avez peur. Nous, on est au-delà de tout ça. Oh, la stink, spirit. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Dégage. Heureusement, je me suis endormi. Ça va, quoi? Ma fille est amoureuse d'un humain qui s'appelle Thomas. Papa, tu sais éteindre la lampe en sortant, s'il te plaît. Ah ouais. Merci. Moi, je suis parti de la maison, là. J'ai installé ma tente dans le jardin. Et je dors ici depuis... Enfin, ça fait maintenant bien...
deux, trois semaines, je sais plus trop parce que je me suis mis à leur rythme et maintenant je vis la nuit comme eux. Dans le fond, oui, je crois que j'aimerais bien être un vampire. Je pense que je suis digne de l'être, en tout cas. J'ai pas faim. Mais il y a plein de mortamine dedans. Non, ça fait 3 mois qu'on bouffe des noirs. C'est bon, ça pue, j'aime pas. Bonsoir. Bonsoir. On vous a invité ? Ah non, pas du tout. Non, mais Georges, si je me réfère au code, hein, article 1, page 1, tous les vampires... Oui, ça va. Oui, hein, il me semble. Il me semble aussi, Bertha, que je suis assis ici, à votre place. Mmh. Mmh. Les hommes au poignet. Pardon. Bon appétit. Bon appétit, bienvenue. Mmh. Allez, sans son ange. Excellent choix. Vous ne mangez pas, Grace? Non, j'ai pas faim. Elle est difficile. C'est un âge difficile. C'est une enfant difficile. Mieux un enfant difficile que pas d'enfant du tout. Vous savez, Bertha, c'est un choix de ne pas avoir d'enfant. Bienvenue et moi préférons prendre le temps pour ne pas choisir un enfant à la va-vite. Allez. Eh bien, prenez pas trop de temps parce qu'il va refroidir. C'est quoi, ça? C'est une plaisanterie. C'est excellent, Georges. Vous savez ce que ça signifie d'avoir un humain à sa table, Georges? Il n'est pas à table, il mange pas. C'est extrêmement grave. Le code interdit strictement d'avoir un humain à table. Un humain à table, c'est une expulsion immédiate. Moi, j'ai vécu ça en 1887. C'était extrêmement violent. Vous n'avez pas conscience de ça? Rien à faire de l'expulsion. Laisse-le! Là, c'en est trop! Arrête, laisse-le! Laisse-le! Allez! Thomas, c'est bête, mais quand je le pince, il a mal. Quand je le brûle, je le brûle. Et tout ce corps en vie me donne vraiment envie, quoi. Je pense que c'est... que d'une certaine manière, ils sont supérieurs aux humains, que c'est une sorte d'évolution de la nature humaine et que tôt ou tard, le monde entier sera vampire. On est content de vous voir, Steve. Très content. On a quelque chose de très important à vous révéler. Je vous écoute. Vous n'avez rien remarqué depuis quelques jours. Parfois, non. Ah non, une présence en plus, hein, quelqu'un qui rôde autour de la table. Non. Le jeune, là. Oui. Le jeune, comme vous dites, oui. Faites très attention. C'est un humain. C'est très grave, Steve. Et Steve, ouais. Si vous allez manger, ça veut dire que vous êtes complice. Alors vous faites ce que vous voulez. Et puis si vous allez manger là-bas, sachez ce qui vous attend. Attendez, vous me dites que je suis complice, non, hein? Mais alors, si je suis complice, vous aussi vous êtes complice, vu que vous habitez dans leur cave. Ça n'a rien à voir, Steve. C'est très différent. Si, que ça a à voir. Non, nous sommes simplement d'honnêtes gens qui essayons de vous protéger, Steve, et on fait ça en toute amitié. Eh ben, vous savez quoi, votre amitié, j'en veux pas. Attendez, doucement, hein. Doucement, Steve. Non, je commence à lire dans votre petit jeu, là. Ouais. J'ai compris, là. Le coup des poubelles, le coup des volets qui se bloquent. Maintenant, je sais qui c'est qui a fait caca dans le cercueil de Papa Georges. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, là, Steve, et de vous? Vous prenez pour qui, vous? Hein?
Vous êtes qui pour les juger, là? Elisabeth est bienvenue. Ouais, bienvenue. Eh ben, tu parles de l'accueil? Vous êtes des mange-merde. Ils sont adorables, ces gens. Vous êtes grossiste. Non, c'est vous. C'est vous qui êtes grossier en faisant ça. Mange-merde. Vous êtes pire que les humains. Qu'est-ce qui serait la pire des choses pour vous dans un avenir assez proche? De ne pas mourir. De rester vampire. De ne pas trouver la solution pour que je redevienne humaine. Il y a tellement de choses qui me manquent. J'aimerais pouvoir pleurer, pour de vrai. Je sais pas. Vous ne pleurez pas? On n'y arrive pas. Il n'y a que les humains qui peuvent pleurer. Jamais, nous, on peut avoir les tristes pour de vrai. Jamais, on peut montrer vraiment ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Rien, tout est mort en nous. Je sais pas si vous vous rendez compte. Tout est mort en nous. Il ne se passera jamais rien. Trente ans dans le noir absolu. C'est un nectar. Mais moi, je ne bois pas de ça. Allez, Vincent, goûtez. Ok. Non, pour rire. Ouvre. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Un message du chef. Pardon, celui-là. Je vous laisse annoncer la nouvelle au bienvenu. Bonne nuit. Mais quoi? Pourquoi? Oh. Oh. On avait d'autres gens. Oui. Bonne nuit. Viens chez Nico, un festin. Il fait toujours des trucs comme ça, Nico, mais il y en a trop. Il y a trop à manger. Et Régis nous a dit un truc. Il faut absolument vous écouter ça. Vas-y, dis-leur, dis-leur. Eh ben, il va y avoir deux exécutions pour le prix d'une. Ah, pas bon, c'est vraiment dégueulasse, ça. Bonne nuit. Nous avons l'immense regret de vous annoncer l'exécution de Samson. Votre fils, jumelé avec celle de ma femme, Eva. Mais je vous laisse. Allez, bonne nuit. Tu vas aller à Londres. Tu vas aller trouver le père et lui demander de changer la sentence. Mais comment veux-tu qu'il... Comment tu veux que j'aille à Londres? Comment on fait pour aller à Londres? Eurostar?
bombe, quoi. Ça s'est passé? Pas mal. Ça s'est pas mal passé. C'est bien passé. Mais disons que. Ils ont décidé de pas me. Mais par contre, on est exilés. Voilà. Toute notre famille doit partir au Canada. Au Canada, ça va, je veux dire, c'est pas non plus. Il est très sympa. Vraiment. Chouette type. Et un peu con. Son tralala, là, Sanson, je sais ce que tu as fait l'été dernier. C'est lui. Dis Jean-Paul, j'aurais besoin de 4 cercueils de voyage pour ma famille, c'est assez urgent. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Écoute, j'ai ça. C'est bien ça? C'est du zinc, c'est allemand. C'est le grand soir, vous déménagez aujourd'hui? Alors vous partez déjà? Qu'est-ce que c'est? Vous avez préparé vos valises. On y va. Vous n'avez pas compris que c'était ce soir? Ça passe trop vite. Mais c'est pas faute de vous avoir prévenu. Oui. Allez. À bientôt, peut-être, hein? Bonne chance. Bon voyage. Ah ben, ça y est. Ils sont partis. C'est grand, hein? Oui, c'est très grand. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht, doch wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nichts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes sont autour de moi, m'adorent comme les petites mouches autour de la lumière. Mais s'ils
Comment on dit quand le feu les prend? S'il brûle. S'il brûle. S'il pour rien. Ah ouais, y'a... aussi rétrograde qu'au Canada. On y a passé une paire d'années avant que le père de nos pères a disparu. Enfin, bon, voilà. Vous savez qu'au Canada, les vampires travaillent. Vous savez qu'au Canada, je travaillais. Dans une banque de sang. Parce que le chef de la communauté de Montréal avait décidé qu'un vampire devait s'allier à l'être humain. Une aberration. Travailler, mais vous imaginez. Bonjour Samson, ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu. Vous avez l'air en pleine forme, ça a l'air d'être le bonheur total. Je pète le feu. Je pète le feu. Qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est le pied ici pour nous. Quand on est arrivé ici il y a 4 mois, on prend dans la gueule parce que bon, c'est quand même pas facile d'assumer un exil, on est d'accord, hein? Mais bon, je dois assumer ça. J'ai dû assumer, je suis quand même un vampire, a grow up vampire, comme ils disent ici, un adulte vampire. Donc il fallait que j'assume, mais moi j'ai choisi de développer un talent que je taisais avant, mais bon voilà, je suis chanteur. Je chante pour les humains, et je demande qu'ils me donnent une petite participation. En fait, ils appellent ça faire la manche. Et donc je fais la manche. En fait, ce qui m'a facilité la tâche, c'est que j'ai rencontré tout de suite le chef de la communauté ici. Le chef, le leader, hein, de la communauté vampire de Montréal. Un type fantastique. Je pense même que ça... Vous avez une grande admiration pour ce personnage. Pour Adélard? Écoute, Vincent, c'est... comme on a de l'admiration pour les leaders charismatiques. Ben, je m'appelle Adélard Thibault. Je suis depuis, mon Dieu, plus de 90 ans, le leader de la communauté de vampires du Québec. Oui, oui, j'ai joué dans le cuirassé Potemkin. On boit brièvement. La communauté de vampires de Montréal est très différente de tout ce qui se trouve ailleurs. Je trouve ça absurde qu'on peut vivre éternellement, qu'on a cet incroyable privilège et qu'on reste identique, qu'on bouge pas. Moi, je rêve que l'humanité au grand complet, je veux dire humain et vampire,
se complètent, se comprennent, marchent main dans la main. Ils nous apportent beaucoup. Ils nous apportent le sang. Ils apportent leur propre sang. Mais on peut leur apporter beaucoup. Je veux qu'on sorte de la nuit. Vous vivez dans un contexte où ne rien faire, l'oisiveté est la règle. Et tout d'un coup, on leur dit, il va falloir que tu bouges ton cul, il va falloir que tu participes, il va falloir que tu sois actif dans la vie. C'est sûr que sur le coup, ça crée la panique. Et sont-ils heureux, ces vampires-là? Sous la botte de petits potentats, de petits tyrans locaux comme celui qui se fait appeler Petit Cœur. C'est quand même odieux, ça. Petit Cœur. Quand même. Un complexe de Napoléon à la 10, lui, est resté dans un corps d'enfant. Pathétique. Très triste pour lui, d'ailleurs. Moi, je considère que les vampires ici sont beaucoup plus libres qu'ailleurs. C'est la démocratie, c'est la vraie. Une vraie démocratie. J'ai été élu. J'écoute mes vampires. J'écoute mes gens. C'est pas une démocratie bourgeoise parlementaire, c'est une démocratie participative. Il y a les comités. Les gens prennent des décisions ensemble. Et beaucoup d'entre nous vont même plus loin. Nous marions avec des humains et des humaines. Nous permettons l'amour, l'amour réel, l'amour physique, la véritable union de deux êtres, malgré leur... et grâce aussi à leur différence. Ça te surprend complètement, hein? Moi aussi. Écoute, voilà, je me suis laissé déborder et cette fille... je n'ai jamais compris un seul mot à ce qu'elle m'a dit. Parce qu'ils ont une façon de parler complètement bizarre, je ne comprends absolument rien. J'espère que vous allez la voir parce que, en fait, elle travaille ici. Et bon, comme c'était le magasin qui était ouvert le plus tard, moi, un jour, j'y suis rentré, je suis tombé sur elle. Et ça a été, comme on appelle ça, le coup de foudre. Et je pense que c'est ça qui a tué ma mère. Ma grosse sangsue. Je vous présente Sherman. Sharon. 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 Ben, moi, je trippe, là. Je pensais tellement pas que ça existait, les vrais vampires, là. Moi, depuis que je suis super petite, j'ai toujours rêvé d'être un vampire moi-même, là. Parce que quand j'étais petite, il y avait une émission de télé qui s'appelait Le Petit Vampire, puis. Il était tellement cute, puis en plus, c'est comme. J'aurais tellement aimé ça, on vive la nuit, puis. Je sais pas. C'est la lune, la nuit, les loups-garous. Le sang, voler surtout, là, voler. En tout cas, ça faisait triper. C'est ça. Je comprends rien. Hey, what's with the fucking camera? Pas problème. Yeah, Ami Belgique. OK, how much? Right. Allez là. Allez, frère. Juste, le plus, hein? Ça va? C'est parti ou quoi? Toujours pas? Il y en a marre, bah. Tu devrais en avoir rien à foutre, quoi, à la fin, la merde. Vite à mort, quoi, t'as vu ta tête? Tu vas quand même pas passer l'éternité à lui filer des petits jus, quoi. Ah ouais, ça? Ils sont vieux, J'ai l'impression que, par contre, ils ont choisi de vieillir, quoi, tu vois. A priori, moi, j'ai trouvé une nouvelle vie et j'en ai rien à foutre, je te le cache pas, quoi. Voilà. Vous mordez plus, vous mangez plus d'humains Non, je mange des humains. Ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus réglé. On ne prend pas n'importe qui dans la rue, on ne se fait surtout pas servir à domicile. Non, on mérite l'humain qu'on mange. Et généralement, ce sont des vieilles personnes. De plus en plus, avec les boomers qui deviennent de plus en plus... qui vieillissent, on a de plus en plus de vieux en bonne santé. Ils veulent rester jeunes, c'est une obsession de leur génération. Ça fait leur charme aussi. Puis,
Bah, c'est super parce qu'on a quand même un lot de vieux en bonne santé. Vous voyez la ville, c'est magnifique. Le vin vieux ou le sang vieux, un paysage gustatif incroyablement plus large. Quand on mord un enfant, quand on mord un jeune homme ou une jeune femme, oui, il y a le fruit, hein. Il y a cette vivacité dans le sang. Mais quand on mord un vieillard, il y a toute une vie derrière. Bon, il y a les médicaments, c'est moins bon. Ça, c'est sûr, parce qu'ils sont très médicamentés maintenant. Et des fois, ça goûte un peu mauvais. Par moment. Mais c'est pas tous les médicaments, hein. Maintenant, ça se raffine. Mais la chimiothérapie, c'est horrible. Quand on tombe sur un cancéreux, c'est très amer. J'en viens de Belgique. Pour venir voir comment ça se passe au Canada avec toute ma famille. Ma mère est malade, mon père ne va pas bien, ma soeur ne vient plus même, ça fait normal. Mais c'est pas grave, elle sera ici. Aucun pouls à l'œil pinéal. C'est étrange. Marc-Antoine Daou, je suis psychologue, je suis humain, mais j'essaie d'aider les vampires à traverser certaines épreuves. C'est pourquoi la famille a fait appel à moi. La lune regarda par la fenêtre pendant que tu dormais et se dit « Cet enfant me plaît ». Et elle descendit moelleusement son escalier de nuages, puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère. Cette maladie étonnante est une rétrocession de l'état vampire à l'état humain. Ce qui est vécu d'une manière extrêmement terrible par les vampires, parce que la condition humaine n'est pas souhaitable. Bon, écoutez, c'est un peu inquiétant. Elle ne réagit pas à la liturgie. Je vais donc tenter un état d'induction. Ce sera peut-être un peu embarrassant pour vous à la fin, parce que vous verrez. C'est... Grâce pourrait être une mal mordue, sa morsure originelle n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas été effectuée avec suffisamment de passion pour l'éternité et de passion pour la dévoration. Dans ces cas-là, on parle de mal mordu. Un vampire mal mordu, une vampire mal mordue. Je sais que tu as connu un garçon, j'ai parlé à tes parents. Et peut-être est-ce qu'il t'a approché, embrassé. Est-ce que tu t'es laissé faire, grâce? Oui, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce qui est arrivé, Grâce? Il t'a déshabillé, il t'a dévêtu. Il a passé sa main entre tes cuisses. Et tu t'es ouverte comme une salope. Tu pleures. Salope. Tu as aimé. Ah, petite salope. Oh. Elle est perdue. Perdue. Je suis désolé. Désolé. Ça vaut 500 dollars. Thank you.
Bertha. Ça va pour mieux, hein. Tu sais quoi, Bertha? Tout à l'heure, je marchais dans le quartier. J'entends quoi? Des cris d'enfants. Et sais-tu quoi? J'ai pensé à toi. Et je t'ai rapporté une surprise. Ta nouvelle fille. C'est bien. Comment tu t'appelles? Lisa. Oh! Tu vas jumer avec Bertha? Oui. Soyez pas choqués, hein. Soyez pas choqués. Cette petite fille-là va vivre heureuse dans sa nouvelle famille et ce pour l'éternité. C'est pour des petits miracles comme ça que je fais mon travail. Dans un an, vous allez revenir. Cette famille-là sera complètement intégrée. C'est par les enfants que l'intégration se fait le mieux. Il va y avoir des sourires sur leur visage. Il va y avoir des couleurs ici. Ils vont vivre complètement différemment. Exit la noirceur. Mission accomplie. Lorsque le père de nos pères a disparu, nous avons décidé de revenir en Belgique. Je pense que notre pénitence au Canada avait dépassé les limites de l'acceptable. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve, mais je suis très curieux. J'ai envie de voir. Vous ne le verrez pas. À moins que vous ne désiriez devenir vampire, ce qui pourrait vous arriver, on pourra le voir ensemble. Van de stad mocht mijn ziel amoureus. Alleen me kieg geld om plezier te betalen. Ik vind wel een wraken heel net en genereus. Onder de glans van de maanestralen. We deel onze wereld een avondelijks bed. Kom mee naar de kroegen vol vraven en matrozen. Vergeet even om en al de rest. Dans cette nuit j'ai envie de me perdre, le son de la ville me rend amoureux. Pas besoin de sous pour acheter une amourette, ma jolie compagne me prête ses yeux. Sous la douleur de la lune blanche, le monde devient notre lit d'amour. Allons au bistrot, faut que la joie prenne sa revanche. Vivons cette nuit, oublions le jour. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Alleen ik hier geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwken naar mijn keus. Vier wijverken zouten ter boter met vallende boter, die was voor soudieren. Ze had in essence een innerlijk en ze kochten een pomp saviren. Schipoel, scherping, spoezel, dikke zakken, karkoortjes. En ze kochten een pomp saviren. En als ze dat boterken hadden gekocht, zij hadden de vier platielen. Ze sproken dat vragen, ze vriendelijk al zou vragen en willen ons delen. Schipoel, scherping, spoezel, dikke zakken, karkoortjes. Zou vragen en willen ons delen. Dat vraken, dat zal ik wel doen, zo wil als dat vraken volleren. Maar ik weet wel wat dat er de wevertjes zijn, en de wevertjes zijn er geen heren. Schiet voor een scherp, ik voel zat, jiki zakken, karkolen, klits, klits. En de wevertjes zijn er geen heren. Was
staat het de wijf het gezieren zijn. Zij hebben nog gozen nog erven. En kroopt er een moskje in hun schaproe. Van noemers hun moet dat als turfers. Geen spoels, geen bekken spoels aan. Tjieke tjieke kerkel, klits klits. Van noemers hun moet dat als turfers. En als er een moskje gesturfd zal zijn, dan zullen ze dat bevragen. Al onder de wijfertjes hun getouw en het schrift van roosjes dragen. Geen spoels, geen bekken spoels aan. Tjieke tjieke kerkel, klits klits. En het schrift van roosjes dragen.